Retrouvez chaque jour la rubrique santé des établissements privés de la métropole lilloise du groupe Ramsay Santé. Dominique est hospitalisé depuis 4 jours à la clinique de la Victoire à Tourcoing suite à une colectomie. Cette intervention consiste à retirer une partie du côlon. Il s'agit d'une opération lourde, toutefois grâce à la récupération améliorée après chirurgie, Dominique a vite retrouvé son autonomie. Cette prise en charge innovante est possible grâce à un travail pluridisciplinaire et l'évolution des pratiques. Grâce à tout ce qui est célioscopie, robots, etc., on peut faire de la raque hein, parce que du coup, on diminue l'agression chirurgicale sur le patient. Donc, on ne fait plus des grosses incisions au niveau du ventre comme on pouvait en faire il y a quelques temps. On peut leur permettre en fait des douleurs post-opératoires qui sont moindres. Parce que les incisions sont plus petites. Et aussi, concernant l'intervention chirurgicale, on essaie de diminuer les temps d'intervention chirurgicale, parce que ça aussi, c'est très important. Ça joue beaucoup sur le post-opératoire et sur la reprise post-opératoire. Côté anesthésie, tout est mis en œuvre également pour que les patients récupèrent leur autonomie au plus vite. Alors, les techniques d'anesthésie pour le RAC sont basées surtout sur des produits anesthésiques court à élimination rapide et surtout sur un monitorage pendant l'opération. Le patient est surveillé par un système qu'on appelle le système Massimo qui permet de réaliser une anesthésie le plus optimale possible, le plus légère possible, tout en maintenant bien sûr les critères d'anesthésie qui sont indispensables pour ce type de chirurgie. Et en post-opératoire, après l'intervention, notre rôle, c'est d'autonomiser très rapidement le patient, c'est-à-dire lui enlever tous les drains, sondes et tout le matériel que l'on a pu mettre pendant l'intervention dans les quelques heures qui suivent après l'opération, lui permettre donc de boire le soir même, manger dès le lendemain, marcher dès le lendemain, aider d'un kiné. À chaque étape du parcours, les patients sont accompagnés par Laurence, infirmière coordinatrice. Son rôle est de les suivre, les informer, les rassurer et les préparer au retour à la maison. Ok, pas de douleur là aujourd'hui ? Ok, on vous donne bien les antalgiques. Mon rôle en fait, c'est de recevoir le patient une fois qu'il a vu le chirurgien et l'anesthésiste, de refaire le point avec lui de ce qu'il a compris, pas compris. Ensuite, je lui explique c'est quoi la prise en charge RAC et le processus de sa prise en charge du début jusqu'à la fin de l'hospitalisation. Dès le lendemain de la sortie de Dominique, Laurence l'a contacté pour s'assurer que le retour chez lui se passe bien. Un lien avec la médecine de ville est également mis en place.